Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est patronné par des batteries Bosch. Bosch, indiscutablement la meilleure des batteries. Bonjour. On dit que parfois, quand on se perd, il faut savoir revenir à la source, revenir à la racine. Quand on parle politique en Haïti, on voit élections, réformes constitutionnelles. On se demande si on ne devrait pas faire un retour vers les racines, vers notre culture. Ce vendredi, sur Métropole, on va parler culture, identité haïtienne, notamment avec notre invité, Savannah Savary. Mais c'est une émission en deux temps. Deuxième partie, on va parler projets sociaux, globalement, avec deux invités, Carl Jessie Brizard, qui va parler au nom du mouvement Kiro en Haïti, mais aussi Charline Honoré, qui est directrice de l'école de l'espoir de JPHRO. On va voir cette initiative, cette école qui reçoit des élèves avec des besoins spéciaux. Donc tout ça, c'est à la route Le Point de ce matin. Commençons d'abord avec Savannah Savary. Bonjour. Bonjour Garou, bonjour Haïti. Un plaisir de vous avoir. Un plaisir d'être à Le Point. On va parler culture avec vous, parce que là, comme je viens de le dire, très souvent, l'actualité est kidnappée, est prise en otage par la politique, et, que toute autre chose d'ailleurs. Mais dans ce contexte de grande préoccupation, on se dit, mais peut-être qu'il faut faire un regard sur notre culture et essayer de comprendre comment on en est arrivé là. Est-ce qu'il y a une explication à travers notre culture pour expliquer ce qu'on vit aujourd'hui? Vous êtes là, vous êtes très porté sur la culture, sur l'identité haïtienne, et notamment à travers votre fondation Savary pour Haïti, vous essayez de replacer Haïti dans son essence. Aujourd'hui, quel regard portez-vous sur la culture haïtienne? Comment vous la voyez? Qui côté nous sortit? Qui est-ce nous lié? Côté nous lié, je dis. Qui côté nous praler. Aujourd'hui, cette Haïti insolente de beauté qui a montré au reste du monde ce que c'est que d'être libre, qui a imposé la liberté, cette nation se cherche. Elle se cherche dans les dédales de tous ces de toute cette désagrégation, je peux dire, de cette désintégration de l'haïtien. C'est dur à dire, mais nous sommes dispersés. Haïti aujourd'hui, même à l'international, il n'y a qu'un seul aspect qui sort. C'est la politique. Rien que la politique qui enveloppe tout, qui emporte tout, et même dans les médias. Pourtant, il y a cette petite lumière qui brille encore au bout de ce long couloir obscur qui nous dit, nous plus que ça, nous quoi nous lire. L'haïtien se retrouve dans ce creuset de ce creuset Haïti, autrefois Saint-Domingue, et ce creuset qui a reçu les composantes culturelles, cultuelles de nombreuses civilisations. Nous sommes l'Amérique, nous sommes l'Afrique, nous sommes l'Europe, nous sommes l'Asie, le savons-nous. Qui sa culture nous y est, Savannah Savary? Est-ce que nous n'avons jamais mis sous lit réellement pour nous connaître qui ça lié? Alors, Garo, on connaît que écriture, c'est côté que moi, qui était tout dans mon palais. Ça, tu es déjà publié la nouvelle liste, même à Blil. Culture, là, qui ça lié? La culture, c'est l'essence d'une société. La culture, c'est la résultante de tous les souffles, les rêves, les conquêtes sur le primitif, la recherche de la beauté, l'adaptation aux exigences de notre nature curieuse, l'interprétation esthétique des choses venues des soubresauts de l'âme, l'évolution de chacun et de tous dans le temps et l'espace. Ces composantes disparates,
s'imbrique pour constituer la marque particulière d'un groupement d'individus. Mmh. Or, Haïti, c'est cette terre de métissage culturel. C'est ce creuset de refond de toutes ces cultures venues d'ailleurs et d'ici. Et Haïti doit être un lieu privilégié où non seulement se cultive l'acceptation des croyances de l'autre, mais aussi une dynamique de recherche. Au terme de près de 3 siècles de colonialisme et d'esclavagisme qui nous ont laminés dans l'enfer de Saint-Domingue, les nombreuses distorsions des pratiques religieuses haïtiennes, j'ai dit distorsions des pratiques religieuses haïtiennes, où l'on retrouve des assemblages hétéroclites de croyances, au lieu de nous apporter un ensemble de richesses spirituelles, nous plongent plutôt dans un marécage de dispersion et d'exclusion. Donc, là où ben nous idée globale de ça t'as supposé y est de ça représenter, mais est-ce que jamais nous t'es jamais identifié réellement ce qui ça nous supposait focaliser, ce qui ça nous supposait bâti force ça force culturelle là. Ma pauvre petite parenthèse. Mm-hmm. Allons dire que je dis hein, ou soit un touriste. Ou rivé dans on île côté que gon développement touristique extraordinaire de des hôtels, tout ce que peut désirer un touriste, la mer, le ciel. Mais il ça côté où aller hein, population ça qui recevoir, il pas gué aucune histoire. Que je dis histoire en général, l'histoire est souffrance. L'histoire est une lutte. L'histoire, c'est une victoire sur quelque chose. Quand je dis l'histoire, c'est ce qui rend une histoire forte. Pourquoi dit men zile ça pas un nom, moun sa yo presque senti que yo pas taché aucun côté. Eh bien Haïti c'est ça. Haïti a tout ce qu'un peuple peut désirer pour briller dans la famille des nations. Mais cette histoire, cette culture, n'oublie pas, l'indépendance a été prise dans la douleur, dans la lutte. Est-ce que l'Haïtien a eu l'opportunité à travers, je peux dire, grâce à la conscience patriotique, je peux dire, le sentiment d'appartenance de ses dirigeants, est-ce que ce peuple a jamais eu l'opportunité d'être encadré pour vraiment se trouver, se construire, savoir qui il est. Qui est-ce moi aujourd'hui? Pour qui ça m'oblige à accepter la religion misère où la politique emporte tout? Mm-hmm. Qui place, ou bien qui rôle, acculturation en joué dans ce rôle-là? Le fait que haïtien perdu, haïtien n'a pas gagné repère, qui place acculturation en joué dans tout ça? Bon, nous allons parler de l'acculturation certainement, c'est que c'est le plus facile. L'acculturation, c'est ce qui nous vient. Mais d'abord, c'est la désagrégation, la dénaturation de l'être haïtien. Et cette aliénation mentale est héritée des temps coloniaux. L'éducation qui est donnée aux petits haïtiens, à l'enfant haïtien, c'est une éducation étrangère à nos cellules. C'est une éducation qui découle, je dois faire attention, les mots peuvent être durs, mais c'est une éducation qui a été imposée, par le concordat du 10 mai de 1860 de Fabre-Geffroy avec le Saint-Siège, entre Fabre-Geffroy et le Saint-Siège. Mais cette éducation, comment voulez-vous que ce soit les vaincus qui mettent cervelle ti haïtien capé poser li mais ça pour l'apprendre mais ça pour le connaître, ça c'est pas normal. Donc tout autant que acculturation ça là nous pas ka avancer, tout autant nous pas retourner vers identité culturelle nous qui forte, qui têtue et qui impressionnante, et c'est comme ça que nous connaît nous à travers le monde, nous pas priver sortir. Il faut l'éducation de l'être haïtien, il faut le remettre dans ce qui est à lui. Et justement, le lacou, science et tradition,
en la cafétéria Kerenskov de la Fondation Savary pour Haïti, il se veut, cet espace se veut un espace de réconciliation de l'âme haïtienne avec ses composantes culturelles, spirituelles, multiples. Vous parlez des religions, d'ailleurs, là. Et vous parlez d'une religion, importée. Ça pour nous. Hein. Il y a plusieurs religions importées. Qui ça pour nous? Aujourd'hui, il y a tous les masques. Quand je dis tous les masques, mettez autant de noms de religions que vous voulez souligner. Mm-hmm. La religion, tout le monde a le droit de croire en ça et quoi qui est vrai. Hein, parce que c'est une recherche. C'est une recherche de la vérité, de sa vérité. Par contre, on parle culture. Nous sommes haïtiens. La culture de nos ancêtres, le culte de nos ancêtres est propre à Haïti. Et je vais citer le mot que en pile moun, dès qu'on parlait de lit, yo. Bon, aujourd'hui un peu moins après le COVID-19, un peu moins, parce que je dis que l'enfant, c'est comme, en fait, c'est un papier vierge. Un enfant qui naît et qui ne grandit pas dans le corset d'une religion est libre de penser et de chercher sa vérité, puisque c'est ce que nous tous nous faisons, chercher notre vérité, quel que soit notre âge, ou c'est une évolution. Donc, l'être haïtien, quand je dis le petit haïtien, je parle de l'enfant haïtien, est ce buvard qui est là et qui devrait apprendre ce qui le concerne et non ce qui vient d'ailleurs. Ce qui vient d'ailleurs certainement, parce qu'il faut être informé, mais imposer à un enfant une manière de penser qui est étrangère à ses cellules, le résultat est là aujourd'hui. L'acculturation, ou aller en province, ou faire expérience là, moi chita sur les marches du fort des Oliviers à Saint-Louis-du-Sud, et conseiller de jeunes garçons qui viennent qui chita parce que tu as gagné un travail qui t'a fait, t'a fait relever site là. Il y a parlé, mais qui ça qui l'emmène? Un smartphone, quoi, c'est comme ça, il est là. Une tablette. Et puis, là, c'est le lavage du cerveau haïtien. C'est-à-dire que ça qui pour nous, hein, nous vire au Bali parce que pour nous-mêmes, il n'y a pas même votant nous. Son bagage qui est primitif, son bagage qui est quasiment malsain. Tandis que toutes les valeurs authentiquement, purement haïtiennes, jusqu'à présent, nous les retrouvons chez la paysannerie haïtienne. On n'a pas de culture en Haïti, généralement, et nous sommes dans ce noyau, nous sommes vaudouans, c'est là toujours voyez nous, généralement. Est-ce qu'il n'y a que ça, et Savannah Savary? Justement, la Fondation Savary pour Haïti se donne pour mission de favoriser un retour et un recours aux sources. Et c'est là, je vais dire, pour une revalorisation non folklorique de nos traditions ancestrales culturelles. Okay. Et concourir par l'éducation globale à la formation de l'être haïtien. Vous mettez un petit accent sur ce que dit la revalorisation non folklorique. Et comment expliquer ça? Aujourd'hui, lorsqu'on veut montrer Haïti au reste du monde, on montre son vaudou. Qui ça nous est l'autre? On a notre histoire, on a notre vaudou, on a toutes les vestiges de l'époque coloniale qui qu'on y a, m'gadi, même gens avec culture totalement désagrégée. Il y a peu de sites qui soient protégés et pour autant, c'est une richesse extraordinaire. Il faut ce retour à l'essence haïtienne. Qui est-ce nous y est? Côté nous sorti, combien de tribus, combien de nations de l'Afrique qui fait Haïti, ça que aurait les Indiens, yo, nous rarement parler de yo, mais ce sont les premiers habitants de cette terre. Ils sont aussi nous. Et maintenant, qui ça prend, et Savannah Savary, pour que nous t'a fait retour ça, puisque de plus en plus, j'en dis, nous avons des gens qui ont couru pour ça. Yo. Et combien de gens qui ont mis un carabé là sous lit? C'est très difficile, c'est pas non
Il y a une activité spécifique, justement, qu'elle mettait juste pour le déguiser. Combien de monde qui pourrait pour accepter que vous gagnez une culture vaudou et afficher ouvertement avec ça, même si pas en termes de religion. Donc, nous avons des gens qui presque prennent ça pour des bagailles sales, pour des bagailles laides, pour des bagailles anciens monde, donc même pas rentrer dans ça. Ça prend pour nous d'avoir vraiment fait comprendre justement que c'est notre culture, c'est pas là que nous sommes supposés rendre de yo. Ça prend. Une prise de conscience personnelle, qui vous vient collective, mais aussi. Il faut que nos dirigeants le veuillent. Parce que sans la volonté et sans le pouvoir politique, comment mettre les moyens? Parce qu'il faut des moyens pour faire vivre une culture. Le paysan est abandonné à lui-même, et pas seulement à ce niveau. On ne va pas parler d'agriculture aujourd'hui. Mais tout tient ensemble. La misère en les dit tout ce qu'elle touche. Si aujourd'hui l'État lui-même pas organisé lui pour que lui prend en main ça qui culture nous qui a terre qui a souffri et qui c'est plus grande richesse nous. Maintenant, certainement il y a des citoyens. Il y a des groupements d'individus qui a fait un pile effort en ce sens, mais pas oublier que vaudou en tout les vignes stigmatisé. Et c'est là que pour nous, à ce niveau-là, pour nous travailler. Aujourd'hui, dans le monde, en fait, tout récemment, tu as un paquet de manifestations culturelles autour du vaudou. Haïtiens avec Africains, ils ont exhorté nous pour nous rejeter vaudou hein, comme culture et comme pratique spirituelle. Ils ont associé là, des rituels magiques destructeurs de la sorcellerie, bien que ça, la sorcellerie a une autre définition. Alors qu'aujourd'hui, il y a une extraordinaire industrie culturelle qui est axée sur le vaudou et qui a développé dans les grandes villes du monde. Où il y a des chorales étrangères, des chorales de l'extérieur étrangères qui ont chanté des chantiers vaudou de manière magistrale. Comme l'école de tambour qui est en Haïti. Le théâtre vaudou. Causé sous vaudou. Je dis, hein, qui ça? Que sommes-nous devenus? Est-ce que nous ne pouvons pas supposer faire un travail de démarcation entre le vaudou religion et le vaudou culture? Et si oui, comment on l'a fait? Je ne pense pas qu'il y ait de démarcation entre ces deux-là. Non. Non. Le vaudou est une manière de vivre. Je suis haïtienne. Non, mais je vais le jouer rapidement. Attends. Vas-y. Permets. Je suis haïtienne. Lorsqu'on me demande « Samana ou servi », moi je dis « Excusez-moi, culture, moi c'est vaudou, je ne suis d'aucune foi. Ma religion, c'est l'amour. L'amour pour cette terre, l'amour pour Haïti et l'amour pour les autres. » Et là, le vaudou pratique cet amour. Le problème, Samana Savary, c'est que chaque grain de monde qui a une religion, peu importe Salda et d'autres, libéral, rejeter culture ça par rapport à religion, donc d'où la nécessité pour nous faire des démarcations. On monde qui a toujours protestant, on monde qui a toujours catholique, on monde qui a toujours pentecôtiste, mais qui a toujours kembé l'aspect culturel du vaudou. Mais si nous ne pas réussir à faire des démarcations ça, on a perdu tout le monde ça pour la religion. On nous a appris depuis l'école à avoir peur du vaudou. C'est ça l'aliénation mentale. Et aujourd'hui, chacun est libre de pratiquer sa propre foi. Cependant, l'homme invité au monde dans une cérémonie minocan, par exemple, au monde qui est à l'école, au monde qui est éclairé, un condisciple de classe, on dit comme ça, et puis il répond, moi, je ne participe pas à ce genre d'activité. Ce genre d'activité. Ça veut dire que la personne a des œillères. Elle ne fait pas cette différence entre sa foi et sa culture. Sa culture qui est, je peux dire, qui est tellement belle. Et l'étranger apprécie notre vaudou. C'est en ce sens que je dis que cette nouvelle génération qui vient, on doit lui donner la chance. Ses enfants, on doit leur... L'éducation haïtienne, nous devons donner cette chance aux jeunes
de s'approprier leur culture. Et qui genre, Fondation Savary pour Haïti, pour faire travailler ça, et qui stratégie? Les domaines d'intervention de la Fondation Savary pour Haïti, c'est l'éducation, l'art, l'artisanat, les activités culturelles, l'environnement, la citoyenneté, le civisme et la formation professionnelle. Donc là, nous regroupons en équipe pluridisciplinaire qui travaillent dans différents domaines d'intérêt. Ce sont des professionnels dédiés à l'aboutissement de Vision Sahara, qui est la sauvegarde de l'identité haïtienne comme boussole. Et groupe d'experts Sahara a réussi à renforcer et imposer culture haïtienne avec la participation des acteurs conséquents de notre République et d'ailleurs. Au fait, les portes de la Fondation Savary pour Haïti sont ouvertes à tous et à toutes. L'éducation. Donc vous allez financer ou bien vous allez vous-même organiser? C'est une fondation. Ça veut dire que la fondation accepte tous les dons. Ce que je veux dire, est-ce que vous allez vous-même réaliser certaines activités de formation et tout ça, oui. Mais vous allez choisir nous avons déjà commencé. Des structures qui font la formation, vous allez financer ces structures. Nous travaillons avec des entités, des organisations. Déjà, avant même la création de la fondation, j'offrais des conférences. Récemment, nous avons fait une présentation, c'était à Mirbalais, ensuite à Las Caobas, sur... Alors, ce sujet va peut-être choquer, l'humanisme de Dessalines à travers la Constitution impériale de 1805. Tout part de l'éducation. Il faut commencer aujourd'hui. Pourquoi ça a lancé Fondation Savary pour Haïti avec une cérémonie Minokan? Cérémonie Minokan, d'abord, on va nous dire ça hier. C'est Mambo Gina Siliona qui a fait ce lien avec de l'autre société. Cérémonie Minokan, c'est n'aprélé toute loi pays ça, toute entité nous yo. Pour venir assister nous dans ça nous y est là aujourd'hui. Hein. Côté que m'a besoin de dire la politique a tout emporté et que reste-t-il de l'être haïtien? Sinon que pour la grande majorité nationale, cette religion misère qui est imposée, qui est entretenue, où l'être haïtien, ou soit aller dans des communautés, on a dit qu'on a démonisé. La vie n'est que recherche du primum vivere. Il n'y a pas compte de demain qui s'est fait. Et je peux dire que c'est la grande majorité nationale aujourd'hui qui est dans ce passage dans la matrice douloureuse d'Haïti. De quoi Haïti sera fait demain, on ne sait pas. Mais si nous pas commencé aujourd'hui à changer notre mentalité, à construire une autre Haïti à l'intérieur de nous-mêmes, qui côté nous pour aller. Donc, nous pour aller les loyaux pour accompagner les fondations? Hein? Je n'ai pas dit pour accompagner les fondations. Hein. Fondation, pas fait cérémonie ça pour fondation. Hein. Okay. Je peux dire que c'est un acte posé en toute conscience que nous pas qu'à continuer exister sans nous pas prendre en compte entité pays ça. En pile monde vivent comme si que à part le matériel, il n'y a rien d'autre. C'est pas vrai. Yo là, le moins dit yo là. Je parle des invisibles à tous les niveaux. Et là, comment commencer une œuvre sans parler les loyaux, sans parler les esprits, sans parler les entités, pour venir assister. On regarde rapide, comment c'est qu'on va dérouler? Donc, loi a défilé, on a pris loi, loi a mangé, loi a baillé parole. On a les rapides sous déroulement cérémonial.
Garo, tu es invité à la cérémonie. Oui, j'ai reçu mon carton. La fondation t'attend et nous pourrons toujours nous revoir à Le Point. Et là, je viendrai avec Mambo Siliona, avec Samba Jasmine Nickel, avec Marcel Volmar. Et là, ça n'a pas été plus en question. Mais ce que moi, je peux dire, c'est que c'est une communion. Pour moi, c'est une communion avec les entités de cette terre, les lois du vaudou haïtien. Et tous les autres esprits de cette terre, parce qu'il n'y a pas que. N'oublie pas, Haïti, c'est l'Amérique, c'est l'Afrique, c'est l'Europe et c'est l'Asie, puisque les Phéniciens sont venus sur cette île. Et tout se résume en un seul. Quand je parle d'entité, je parle de tous ces esprits qui aiment Haïti. C'est bon, Minokan, la passe qui l'a, et même Henri Mado qui boit. C'est mon Minokan à passer demain, samedi 7 novembre. Et la fondation peut donner un numéro de téléphone, WhatsApp. Si on moun désire une invitation, ce sera avec plaisir que. Donc nous avons envie envahir. On a déjà. Alors, on invite nos amis. Les amis ont dit ah, mais viens avec de l'autre ami. L'autre ami. Ah, mais est-ce que. Donc, déjà, on a un très bel espace. Mais ce sera un espace public, certainement un jour. D'ailleurs, je vais vous continuer à venir inviter et dire voilà ce qui se passe avec la Fondation et son espace. Mais pour demain, ce sont des invitations personnelles. Oui, ça c'est compris. Savannah Savary qui était avec nous pour parler culture et identité au nom de la Fondation Savary pour Haïti, avec le lancement officiel, je vais dire, à travers cette cérémonie Minokan demain. Et si vous voulez laisser le numéro justement pour les réservations personnelles. Avant de faire ça, il y a une phrase que j'aimerais confier à la conscience haïtienne. Aujourd'hui s'impose une vulgarisation de nos origines et antécédents pour expliquer l'importance d'une fusion réelle des cellules de la mémoire haïtienne. Car un peuple ne sachant pas d'où il vient ne connaîtra pas les limites imposées aux rêves qu'il ne formulera jamais. Ça, c'est ce message sur lequel les gens doivent méditer. Oui. Côté nous sauti, côté nous yé, côté nous pralé. Le téléphone? Le téléphone 509-36-49-57-37. C'est un WhatsApp. 36-49-57-37. Donc envoyez uniquement un pour les WhatsApp? Oui. Donc si vous voulez participer à cette cérémonie demain, vous écrivez à ce numéro 36-49-57-37 et vous allez pouvoir recevoir votre invitation à la limite des places disponibles. Oui. Il faut le dire. Il y aura pour les yeux et pour la conscience aussi. Pour le cœur surtout. Pour le cœur surtout. Merci Savannah Savary. Merci Garo. Elle est présidente de la Fondation Savary pour Haïti qui se trouve à La Conscience et Tradition à la cafétéerie de Kerenskov. Cafétéerie Kerenskov. Pourquoi Kerenskov? Kerenskov, Kerenskov de la Pommeraye. C'était le nom de l'habitation qui se trouvait à Platon Café. Donc c'est par déformation qu'on dit aujourd'hui Kerenskov. Oui, et la prochaine fois, je pourrais toujours vous dire. Donc vous voulez toujours revenir à la source. Oui. Merci Savannah Savary, merci à vous d'avoir été avec nous. C'est ici que s'achève la première partie, mais restez avec nous, on sera de retour très vite avec Carl Jesse Brizard de Kiro Haïti et Charline Honoré de l'école L'Espoir de JPHRO. Le Point est patronné par des batteries Bosch. Bosch, indiscutablement la meilleure des batteries. Merci de la fidélité. Alors, pour le point de ce matin, on parle culture, identité, mais on parle aussi social. En première partie, on avait Savannah Savary, présidente de la Fondation Savary pour Haïti. On vient de parler culture avec elle. Et là, sur le plateau, on a Carl Jesse Brizard, qui est membre du Conseil national de Kiro. Et on a Charline Honoré, directrice de l'École de l'Espoir de JPHRO. Carl Jesse Brizard, bonjour. Bonjour, les gars.
Bonjour Charline Honoré. Bonjour Lucnéa, et j'en profite pour saluer tous les téléspectateurs, auditeurs et Rubik ce matin, donc c'est vraiment un plaisir pour nous participer. C'est un plaisir pour nous gagner, nous. On a rappelé que nous avons deux mouvements différents, mais ça a fait yo aller vers les citoyens, vers la société. C'est raison qui fait nous ensemble sur plateau pour nous faire un coup d'œil sur chaque initiative ça yo. D'abord mon vie garder Kiwoa puisque on a parlé de 60 ans Kiwo en Haïti et n'a pas tenu ça longtemps. Kiwo et on l'autre côté gain scout, gain monde qui pas comprendre qui ça réellement nous y est, qui ça Kiwo. Ben Kiwoa c'est un mouvement jeune action catholique qui est en Haïti depuis 1960 avec un père qui est Père Joseph Beckmans. Et c'est là que nous commençons dans ce Cacavajal, dans le plateau central. Et qui est là pour former et éduquer les jeunes, les gens, depuis 3 ans jusqu'à X, mais parce que ça va dépendre de la volonté de gens, ils ont toujours été jusqu'à ce qu'ils aient été net dans le mouvement. Et de là, nous commençons à travailler avec eux, aider eux à vivre dans le service d'église, former eux pour devenir un bon citoyen demain. Donc, base Kiwoa, c'est la formation. Oui, formation. Formation, il y a une formation très didactique, mais dit, parce que c'est nous faire à travers le jeu. Très bien. Pendant notre formation, ça, bon, occasion pour m'aller, je joins Charline Honoré, qui est directrice de l'école L'Espoir. Et là, c'est pas on l'école, mais toute l'autre chose, c'est l'école spéciale, puisqu'il recevoir tout le monde qui a des besoins spéciaux. Combien de temps l'école ça a gagné à fonctionner? L'école de l'espoir a gagné 10 ans. 10 ans. C'est une école qui est fondée depuis en 2010. Alors, bien entendu, ce n'est pas une école spéciale, mais c'est une école inclusive. Il y a l'école côté tout le monde qui est placé là-dedans. C'est-à-dire, on recevoir aussi bien. Ah oui, il y a un petit monde qui a vu sans déficience et puis il y a un petit monde qui a besoin spéciaux, donc nous recevons les deux. Donc c'est permettre que les élèves soient ensemble dans la salle de classe, côté chaque apprendre, avec, selon le rythme, pas yo, mais ensemble, ils sont trouvés dans la salle de classe. Justement, c'est la question que j'allais poser. Mm-hmm. Est-ce que nous gagnons une structure pour chaque groupe ça yo, ou bien nous mettons ensemble? Que vous avez besoin de spéciaux ou non, ou ensemble avec... Exactement. Donc, c'est exactement ça nous-mêmes. C'est le champ d'actif de ça que nous avons. Nous parlons d'éducation inclusive. Donc, c'est permettre que l'élève qui sans déficience là, lui-même, lui connaît que l'élève qui a avec déficience là, son droit que le gain même j'ai ensemble avec lui, pour tout gagner accès à l'éducation. Donc, mettre tout le monde ensemble, donc déjà, c'est permettre que ça qui sans déficience là, comprendre mieux les gens qui vivent avec une déficience, comprendre que le gain place dans la société, hein, permettre que l'intégrer. Et élève ça à tous les mêmes qui vivent avec des déficiences, qui sont surtout marginalisés par la société, hein, parce que même avec les parents, ce n'est pas du tout un travail qui est facile. Mm-hmm. Même pour nous recruter, si nous sommes dans l'école, parce que des fois, avec des travailleurs sociaux, que nous avons qui sur le terrain, donc même quand ils visitent les familles, des fois, l'homme des familles, là, combien de gens qui ont un foyer, donc ils doivent être 4. Donc c'est après, on peut le connaître l'autre, mais le fait que les gens vivent avec un handicap, donc ils ne pas compter. Donc c'est exactement nous même objectif école de l'espoir. Donc c'est non seulement bah, une éducation de cadre, à communauté pendant la facilité d'intégration, si vous savez qu'à vivre avec un besoin spécial. Mais là, il y a une question en taka, comment nous gérer le rythme d'apprentissage? Moi, je mets l'accent sur un petit monde qui a une déficience mentale, par exemple. Mm-hmm. Il est difficile pour appréhender la formation que l'autre chose. Comment nous gérer le rythme d'apprentissage? Exactement. Premièrement, non seulement nous rassurer nous, que nous avons des professeurs qui formés en conséquence. Donc, ça veut dire qu'ils recevront des formations qui sont adaptées pour travailler avec un petit monde qui a une déficience. Parce que là, nous parlons de déficience. Nous recevons un petit monde qui a une déficience d'ordre physique, et d'ordre mental et aussi d'ordre physique. Donc, élèves qui ont une déficience physique, bien entendu, nous-mêmes, c'est pas un problème pour nous ensemble avec. Parce que l'école là, elle construit avec accessibilité, donc pour permettre que un élève qui a une difficulté, il est capable avec des rampes, comme si même il avec la chaise roulante, qu'il est capable de circuler normalement dans l'espace là, donc construction appropriée pour ça. Donc élève qui vivent avec une déficience mentale, yo même, donc c'est peut-être eux-mêmes qui est plus difficile pour adapter yo. Justement. Mais là encore, alors nous-mêmes nous un peu limités tout dans déficiences que nous recevons. Par exemple, des élèves qui vivent avec des déficiences sévères, donc nous obligent à référer vers d'autres institutions. C'est le cas des enfants soumis. Okay. Nous pas habilités pour nous travailler ensemble avec eux, donc nous seulement faire référence. Mais ça, normalement, nous habilités pour nous travailler ensemble avec eux. Hein. Donc, c'est évaluer, si nous savons d'abord, comprendre les déficiences, parce que donc, là, nous gagnons des équipes qui sont sur place, non seulement pour assurer le travail, ça. Donc, pour déterminer, si nous savons quel type de déficience qu'ils gagnent et pour nous connaître qui orientent que nous sommes capables de faire. Donc là, nous parlons de tout dans la salle de classe.
là certes mais tout le monde ça au chaque apprendre avec rythme pas eux j'aimerais dire ça qui arrive un élève normalement qui besoin 30 minutes pour comprendre une notion et puis élève ça lui même non seulement 30 minutes là pas suffit pour lui mais nous gagnons tout en cadre psychosocial qui là pour bailler un support individuel à tout le monde parce que c'est pas seulement apprentissage en groupe là que nous visons mais nous visons tout apprentissage individuel vous comprenez et là qui vous et un sujet qu'on s'attaque à intéresser nous, en ce sens, si nous avons dit une information pour tout le monde, donc nous n'avons pas de discrimination. Est-ce que ça arrive, nous, que nous sommes obligés de faire ça avec des cas comme ça? Oui, souvent, et femme tout objectif pour le mouvement, premier, c'est prendre ça qui est vulnérable. Ça veut dire que dans la fondation, nous, c'est ça, depuis 1789, dans la France, il y a des problèmes industriels. Donc, PA, c'était le premier objectif, c'est prendre un cadre de monde qui n'est pas capable vraiment dans le moment ça. Donc, c'est ça, nous souvent fait face avec gens de bagaille ça. Et nous gérer, nous gérer, parce que nous avons des psychologues qui l'ont tout, au niveau des dirigeants, qui l'ont comme des psychologues pour prendre le monde ça, aider. Priorité là ensemble avec mouvement. Donc parce que après le janvier, il y a un pile de monde qui était fracturé, oui. Mais ça m'a voulu dire pourtant qu'il était quitté mouvement, il était toujours été là parce qu'il était joué dans cadre de Mampayo. Et jusqu'à présent, nous là, on a travaillé ensemble avec eux. Et son mouvement qui gagne près de 67 000 jeunes. Donc ça veut dire que nous avons tous 10 départements et nous même arrivés côté l'État va arriver. Mais là, je fais un coup de rapide. Par exemple, je regarde les scouts. Tu as un passage dans les scouts qui gagnait non seulement en formation que le baou dans construction comme monde mais en pile fois nous reste là tant coup on entité utile nous voyons qu'on utilise les gingo mouvement dans la rue etc comme ça mais dans mise à part formation moi qui l'autre gens qui ont t'as qu'à dire fait présence qui paraît sur ce territoire bon, normalement nous même nous fait un pile travail après dans chaque presque dans tout diocèse yo gain parfois tout monde fait assainissement okay. Parfois tout yo travaille et avec et l'autre tout monde l'autre jeune dans reboisement en pile d'autres bagailles. Donc, c'est ça, nous faisons un pile de travail, mais surtout, nous étions dans l'église. Là. Okay. 80% du travail que nous faisons, c'est avec l'église, là, parce que nous, typiquement, il y a un groupe l'église. Timoun qui est dans Kiwo, c'est Timoun qui est à l'école normalement. Bien sûr. Maintenant, si Timoun est à l'école, formation nous bail, là, ce qui est à l'Chita, est-ce que c'est même ça que fait l'école que nous reprenons, ou bien on l'autre bah, spécifique? Nous bâillons en termes de formation. Bon, formation, nous bâillons sont formation socio-religieuse. C'est-à-dire okay. Que nous formons au niveau social et au niveau religieux. Donc c'est ça, c'est formation, ça nous chita, nous basons sur lui. Et puis tout, nous apprenons tout le monde à faire connaître. Parce que base mouvement, c'est animation. Nous apprenons tout le monde que jouer là, dans la ville, c'est important. Okay. Donc pendant que nous jouons, nous formons tout le monde. Donc c'est ça, c'est base mouvement, ça. 10 ans après Charline Honoré, l'école l'a créée, est-ce que jusqu'à présent, stratégie a été payante? Est-ce que nous avons un curriculum spécial ou bien nous adaptons-nous à curriculum ministère de l'Éducation nationale, nous suivons et programme éducation nationale, même dans l'école? Oui, bien entendu, nous suivons le programme et ministère de l'Éducation nationale, là, mais qui est adapté avec élèves que nous avons parlé sur tout ça qui a vivre, alors surtout élèves à besoin spéciaux, nous adapter le programme ensemble avec eux. Donc après 10 ans d'existence, alors là nous parlons de l'école de l'espoir, donc de JPHRO bien entendu, qui JPHRO c'est l'organisation qui fondait l'école là. Mm-hmm. Donc projet éducation, c'est un projet à deux volets, il y a l'école de l'espoir qui sont écoles inclusives, mais de l'autre côté nous avons aussi un réseau de 25 écoles, donc c'est un réseau de 25 écoles à travers la zone de Delma 32 et de Crissois. Donc c'est des écoles que nous supportons. Donc permettre que l'école ça eux-mêmes offrir une éducation qui est vraiment holistique à population ça que surtout que nous ciblons qui c'est Delma 32. Donc voilà c'est ça donc à travers programme ça nous-mêmes pendant 10 ans et d'existence bien entendu au départ nous pas commencer avec programme d'éducation inclusive là donc nous t'es seulement recevoir élèves qui sont déficients mais programme d'éducation inclusive là il commencé en 2015 hein. Donc déjà nous gagnons 5 ans d'expérience là-dedans et me rappeler ça qui t'ai fait nous vraiment plaisir première année que nous t'ai gagné programme ça. Nous avons un élève 6e année qui s'est un élève qui était sous chaise roulante, malheureusement, qui a eu un problème au niveau de jambes. Donc, il est arrivé aux examens officiels. À cette époque-là, l'examen 6e année était officiel. Mm-hmm. Donc, l'élève, ça, c'est lui-même qui était lauréat pour l'école, là, qui a fait plus de points. Donc, ça, déjà, c'est une histoire succès pour nous. Donc, qui a montré nous, oui, il y a une déficience, oui, il y a des besoins spéciaux, mais ça n'a pas empêché que normalement, performance académique, là, il y a. Donc, c'est à travers ça. Surtout, nous avons basé nous pour nous trouver que l'élève,
élèves ça qui surtout l'école pas bay accès à eux-mêmes parce que surtout l'école yo pas construit avec accessibilité pour ça soit yo construit avec escalier donc qui pas bay accès à ti moun sa yo donc nous-mêmes c'est surtout ça qui intéresse nous permettre que ti moun sa yo connaît que yo gen place yo gen droit parce que j'aimerais dire déjà éducation son droit que tout ti moun gagne que le riche que le pauvre quelle que soit couleur li quelle que soit et on déficience quelconque li capable gagner c'est on doit que le gagner et nous-mêmes il y a l'école de l'espoir à travers JPHR qui a promouvoir et programme ça donc c'est permettre que nous arrivions là. On nous rappelle que JPHR c'est mouvement ça que qui commence après 12 janvier et c'est l'acteur américain Sean Penn qui initié mouvement ça en Haïti qui a quimbé jusqu'à présent. Donc en termes de performance et dans quel niveau nous arrivons d'abord dans l'école la primaire? Et bien entendu, nous gagnons une classe grande section, préscolaire. Et ensuite, nous gagnons premier et deuxième cycle, c'est-à-dire de première à la sixième année. Mais nous gagnons en perspective pour nous gagner troisième cycle, puisque c'est une obligation du ministère de l'Éducation nationale que toute l'école fondamentale doit gagner trois cycles. Donc, et nous gagnons ça en perspective, peut-être l'année prochaine, nous allons lancer les livres. Donc, jusqu'à maintenant, nous gagnons plus de discussions qu'à faire, parce que nous avons à la recherche tout, des partenaires qui sont capables de supporter le programme, non, parce que nous voulons aller plus loin ensemble avec lui, parce que tu as coupé capacité d'accueil, nous, pour le moment, il y a 210 élèves parce que nous gagnons 7 salles de classe. Donc, pour nous gagner un troisième cycle, il y a tout pour nous gagner construction de nouvelles salles de classe et aussi à travers un paquet de services que nous offrons à Timounio, tout, que nous avons réellement augmenté capacité d'accueil Timounio, surtout à travers laboratoire que nous gagnons, permettre que nous gagnions accès à la bibliothèque. Donc, nous voulons et agrandir l'espace. Donc, parce que Timoun qui est école de l'espoir, ce n'est pas seulement et partie académique là qui est important pour nous comme si montrer ti mon raconter montrer li donc il y a tout un paquet de services qui accompagne là par exemple nous gagne un cours de musique qui que tout ti mon gagne accès à musique là ti mon est capable faire choix de instrument que il veut que c'est piano et guitare basse instrument que il veut il est capable choisir donc c'est un qui très intéressant tout surtout pour ti mon et a besoin spéciaux à travers la musique ça réellement aider nous orienter yo donc nous gagne consultation médicale tout parce que JPHR gagne un programme médical donc permettre que ti mon yo chaque année rentre l'école là yo bénéficier de yo consultation médicale au début de l'année et à la fin de l'année aussi juste pour nous gagne bilan médical si nous devons faire référence à élève ça pour nous sûr avant même que ti mon ali sous ba l'école là et recevoir éducation mais rassurer nous d'abord que il est en bonne santé parce que ça son préoccupation liée pour nous mêmes ensuite nous gagne cantine scolaire alors nourriture que nous offrir à élève qui dans école de l'espoir. Et aussi, nous gagnons un programme de prêt d'ouvrage. Parce que avant, dans les années avant, donc, nous avons des élèves de tout bagaille, des livres, des uniformes, mais avec moyens exactement de financement. Parce que ce n'est pas vraiment facile, jeune des bailleurs de fonds. Vous comprenez? Parce que j'aime dire que l'école a été construite, été fondée dans un contexte qui était vraiment spécial après le tremblement de terre. Maintenant, 10 ans après, ce n'est vraiment pas facile pour nous jeunes financement. Donc, ça veut dire nous pas faire cadeau Livio encore, mais nous toujours un programme prêt d'ouvrage. C'est juste pour nous supporter les parents. Donc, des parents qui ont des difficultés, donc qui pour. Et permettre que Timoun joue un livre, nous prêter un livre pendant une année et que l'année suivante, nous récupérer pour permettre que l'autre élève utilise. Donc c'est juste pour nous accompagner la population parce que c'est une école communautaire. Justement, c'est la question que j'allais vous poser. Qui fonctionnait? Est-ce que Timoun a payé et tout ça? Comment nous gérons aspect ça? Voilà, donc de 2010 jusqu'à 2018, nous réellement avons demandé un frais qui était 1750 gourdes pour un petit monde pendant un frais annuel pour année. Mais l'année dernière, à partir de l'année dernière, avec ensemble de difficultés ça, que nous gagnons pour nous faire l'école fonctionner, j'aimerais dire là. Donc nous obligés d'augmenter les frais, mais qui sont frais annuels qui vraiment et pas cher. Donc c'est quelque chose que les gens qui dans la communauté ont supposé en mesure pour les bailler pour les gens. Mais surtout avec COVID-19 là, qui tellement bien affecté la situation, oui, situation financière par an. Donc c'est vraiment difficile pour année là, normalement, pour nous gagner par an ça qui en mesure pour arriver à permettre que les gens rejoignent l'éducation. Parce que frais scolaires, c'est non seulement permettre que nous fonctionnions, mais aussi impliquer les parents dans l'éducation, les gens intégrer. Donc voilà la raison pour laquelle qui fait moins dire que l'important pour nous-mêmes à travers le programme, ça que nous trouvons qui est difficile, certes, mais qui est très important. Donc je des partenaires, au moins qui partagent la même vision, ensemble avec nous, qui sont capables vraiment venir pour supporter nous dans le programme. On après regarder ça un peu plus tard. Maintenant, et 60 ans après, depuis qu'il a implanté en Haïti, ou c'est même le Conseil national là,
ou qu'à répondre à une question ça. Comment vous êtes dans cela? Est-ce que il y a plus de monde qui intéresse à ce mouvement ça ou bien c'est vraiment plus misère qu'on y a pour nous convaincre des gens qui viennent? Comment est-ce que vous êtes dans cela? Question intéressante, Lignia. Et vous avez dit que vous êtes dans cela, vous êtes à moitié désintéressé et à moitié qui est intéressé. Par rapport avec gens société après aller qu'on y a. Grand parents qui démissionnaient dans le temps même, d'autres qui ont eu 9 ans. Donc, je ne suis pas capable de gratter un dimanche parce que j'ai maman là qui a poussé ma aller, poussé, il dit que c'est direction ça m'a aussi les pour prendre, mais qu'on n'y a pas démissionné. Si tout le monde n'a pas venu dans la réunion, même si les parents ont dit ça passé pour que ça intervienne, venir, il dit que je ne pas connaître, moi, les chérites, je ne sais pas parler. Donc, son mouvement de travail qui est, ce n'est pas seulement dans l'église, dans la réunion, mais tout son travail sociétal. En dans les parents, on doit faire travail par eux. Donc, famille, ça intègre vraiment dedans. Donc, je suis capable de dire que. Et nous faisons des gens pour nous capables de faire des choses, parce qu'à travers les réseaux sociaux, on connaît plus chita sur les réseaux sociaux, ouais. Sur les bagages. Donc nous aidons. Dès que nous venons dans le week-end, nous demandons qui est-ce qui est passé dans les réseaux sociaux. Parce que nous connaissons vraiment attachés. Donc ça permet que nous faisons en haleine et apprenions vraiment et moduler avec le temps. Donc ça va nous avoir une idée de gens qui ont évolué, oui. Gens qui ont désintéressement pour les choses de l'esprit, notamment je ne j'ai dit. Et là, en matière de changement de comportement, nous avons une responsabilité, si vous comprenez. Ah oui, nous avons une grande responsabilité et ça aide vraiment à aider tout le monde. Contre qui j'en peux comporter dans la société, à qui j'en doué. Et après, ça qui rete vraiment, ça qui rete et qui prend ça que nous baillons vraiment, c'est des modèles dans la société. On t'a dit, on m'a apporté dans la journée, et on petit monde qui peut entrer dans Kiwo, etc. Ce que tu as incité, quelle est ta motivation? As-tu la sortie? Le rentrer dans Kiwo? Donc, je pense que, et son belle question, dans Kiwoa, nous pas seulement rester chitan dans paroisse. Parce que c'est vrai que qu'on y a dans dernier temps ça a été vraiment difficile pour nous faire quand sortir avec Timon, faire des touristes locaux, c'est-à-dire que visiter toute ville provinciale, aller dans grotte, aller voir qui ça qui gagne dans l'autre ville, comment fonctionner, qui manger au produit, tout ça. Donc c'est un long parcours pour nous gagner ensemble avec Timon pendant tout travail nous. Donc qu'on y a nous chita ensemble avec eux, nous apprendre qu'on est parce que nous pas sortir, ça gagne groupe qui pas faire quand par rapport avec la sécurité qui gagne. La sécurité Covid. Oui, exactement. De Kounia là, nous obligés de chiter avec eux, parler avec eux, montrer vraiment qui ça ils doivent faire pour demain. Donc c'est sur la construction de l'homme. Exactement, exactement, exactement. Donc si ça fait pour année ça, on a fêté 60 ans, dans un thème qui dit dans la lumière 60 ans qui ont, on continue de travailler pour une autre société. Très bien. Parce que nous rêvons d'une autre société. Ça, on a vivre Kounia, je dis, n'est pas intéressant du tout. Donc pour jeunes, pour jeunesse, là, capable vraiment évoluer, les besoins chita dans une société qui est basée, qui gagne une bonne formation. C'est pas inciter tout le monde à aller dans un programme qui a détruit jeunesse, là, mais aller dans la formation tout le monde pour demain, qui a un bon citoyen pour l'église, là, pour la société. Ça, c'est ce qu'on a dit aujourd'hui, qui a 60 ans, donc nous avons essayé longtemps. Et est-ce que nous avons dit que. Un travail qui peut être pas fait, qui fait nous gagner un déclin ça, ou bien nous prenons dans l'autre sens là pour nous vers la moitié plein, si nous partons là, il était mal. Ben oui, c'est ça, si nous partons là, ça était mal. Okay. Parce que dans le moment, ça l'a dernier, tant ça a pas démissionné. Et si nous avons gagné là, si nous avons là, c'est-à-dire la majorité de nous gagné là, c'est moins que nous-mêmes, nous avons gagné. Parce que le mouvement n'est pas seulement arrêté chita dans la formation. Parfois, tout le monde a fini par aller à l'université. Okay. Nous orientons vers une école professionnelle, nous cherchons des bourses d'études pour eux, nous faisons joindre des moyens pour être capables d'être professionnels, nous apprenons, montrer au carrelage, nous apprenons à floral. On n'a pas qu'à donner un manuel qui est capable de nous, qui n'a pas besoin, il faut qu'on fasse 5 ans, 6 ans chita sur l'université pour être capable de manger demain. C'est mais il y a des bagages souffert aujourd'hui, il y a là, cap et de manger demain, si Dieu veut. Donc, vous voyez qui c'est ça. Comment vous mangez et bon côté parents et pour livrer nous des petits monde qui a besoin spéciaux est-ce que son bail nous est qui est très intéressé ou bien nous voyez fort pour nous faire pour nous jeunes petits monde ça? Normalement les deux. Okay. Premièrement, élèves une fois que vous dans l'école de l'espoir, parents eux même ils sont vraiment contents, ils sont vraiment satisfaits de formation petits monde à recevoir. Mais de l'autre côté, c'est surtout les parents qui pas au courant, qui pas au courant que l'école est dans la communauté. Okay. Donc là, nous-mêmes, pour nous aller vers eux-mêmes, le fait qu'ils ne connaissent pas qui s'en approprie à eux-mêmes, c'est difficile. Parce que j'aimerais te dire que les gens sont souvent marginalisés. Ils ne sont pas contents de mettre à l'école. Donc, par exemple, les gens sont cachés. Ils ne peuvent pas dire s'ils sont des gens qui vivent avec un handicap.
Vous comprenez? Donc, c'est ça qui est un peu difficile pour nous-mêmes. Donc, c'est une raison qui fait nous la matin, hein, pour faire connaître que porte nous ouvert pour recevoir élèves à eux. Il y a des parents qui ont un petit monde qui a vécu avec une déficience d'autres physique ou mentale, donc porte nous ouvrir pour nous recevoir. Donc ça qui arrive, c'est qu'à dépasser nous-mêmes nous là pour nous référer vers d'autres institutions qui vont faire prise en charge là. En 5 ans, est-ce qu'on estime que nous vraiment faisons un travail et côté nous vraiment réintégrer ces gens et une meilleure acceptation de côté par eux, peut et de l'autre petit monde qui parle. Exactement. Non seulement côté par élèves, donc surtout au niveau de socialisation, donc c'est des élèves qui vraiment les viennent de l'école, ils sont épanouis. Et aussi avec l'autre élève, tout, c'est un moyen pour nous-mêmes pour nous apprendre mieux le vivre ensemble. Donc ça veut dire, gens nous-mêmes nous parler d'éducation inclusive à travers le programme Zato, nous viser une société inclusive. Bon. Une société côté monde tolérer l'autre. Une société côté une respecter droit l'autre. Une société côté une apprendre vivre avec l'autre malgré disparité que nous avons gagné, malgré différence que nous avons gagné, mais comprendre que nous appelons pour nous vivre ensemble. 60 ans qui roule, on va célébrer comment rapidement? Ben, c'est une grande célébration qui a commencé depuis jeudi. Hein? Jeudi, hein? Et il y a bien différentes délégations qui pourraient aller dans le CKK Vajal, côté que le mouvement est venu en 1960. Donc, tout diocèse a réuni là à partir de jeudi. Hein? Et puis, après-midi, il y a fin arrivé à faire connaissance une à l'autre. Et puis, après, ça a dormi pour nous lever demain matin avec messe. Et puis, confession. On a bien confession tout. Et puis, après ça, l'en fini, on a bien, pendant toute journée, on a bien des débats. Pour nous capables de parler après 60 ans, qui ça nous doit faire. Parce que nous avons un gros projet qui s'est réalisé en centre d'accueil dans CKK Vajal pour nous mettre sous pied, pour nous capables d'encadrer les gens qui sont vulnérables dans la zone. Et puis après ça, demain après-midi, nous avons gagné une activité culturelle, nous avons gagné un ensemble de préalables, tout le monde pour acheter ensemble, tout le monde dans la zone, nous pourrons acheter, nous pourrons parler sur comment demain 60 ans à pied. C'est vrai que 60 ans, c'est tout le mois de novembre, mais après, c'est qui ça qui va lui faire dans la société toujours pour être capable de faire du training, pour être capable vraiment faire des jeunes, pour avoir plus de délinquance juvénile. Et puis, le dimanche matin, à 9h, on a une grande messe solennelle là qui a célébré par Mgr Dumas. Et puis après ça, on a une inauguration buste, qui est buste fondateur mouvement, qui est Joseph Begmans, dans le CKK Vajal. Et puis après ça, on a une dépendance qui a fait à 3h, côté tout diocèse, pour retourner la caillou, pour être capable vraiment organiser ensemble avec. Véritable célébration. Là, et l'école de l'espoir a cherché partenaire, c'est ça l'idée et tout, pour nous continuer la bataille là. Qui j'ai encore contacté nous et qui type de partenaire que nous avons besoin rapidement? Ah oui, donc j'ai monté du là, surtout nous-mêmes, nous avons une population qui est très vulnérable, surtout la population d'Elma 32 ans. Côté parents, ils ont vraiment des difficultés normalement pour offrir éducation à Timounio et nous-mêmes, vraiment, nous sommes un peu limités dans le travail que nous avons fait là. Donc c'est ça que fait normalement, à chaque monde qui t'a intéressé, donc aider l'école à continuer à offrir le programme. Non? Donc nous situons nous à Delma 40B, et Wikripsac numéro 30, hein, et numéro de téléphone nous c'est 39-90-02-48, 39-97-08-69. Donc à travers deux numéros, ça, vous êtes capable de contacter nous, et aussi un parent qui a un élève qui vit avec déficience, vous êtes capable de contacter nous à travers un numéro ça, pour nous-mêmes nous faciliter l'intégration de l'élève ça. Ah ben voilà, Charline Honoré, directrice de l'École de l'Espoir de JPHRO, et Carl Jesse Brisa qui est avec nous, il est membre du Conseil national Kiro qui célèbre donc ses 60 années d'existence en Haïti. Merci Brisa. Merci Lucnia, et on a continué de merci parce que pour supporter poté dans le gros concours chant que nous avons organisé dans le diocèse Port-au-Prince. Merci beaucoup plaisir. Et nous toujours voulons, si on nous voulait, aider le mouvement, capable de faire ça à travers mon cash, qui c'est 34-25-22-40. Sogebank, c'est 39-16-00-10-05, qui c'est compte dollar. Et compte en goutte, 39-06-00-13-20. Merci un peu tout le monde qui t'attendait, les amis internautes avec télévision. Merci Charline Honoré. Merci beaucoup Kessner. Donc c'est vraiment un plaisir au matin pour nous participer dans la rubrique ça. Merci à tous les spectateurs, auditeurs qui t'ont assisté nous. Donc merci beaucoup. Merci à vous. 31 49 57 37, ça c'est le numéro WhatsApp pour Savary Savana, si vous voulez réserver pour la cérémonie Minokan de demain pour lancer la fondation Savary pour Haïti. Merci à vous d'avoir été avec nous. Excellent week-end sur le 100.1, sur la 52. Cette émission est disponible sur la page Facebook de Métropole, Métropole Haïti, mais aussi plus tard sur YouTube. Mon nom est Luc Niagaro et à bientôt. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30.
Le Point est patronné par des batteries Bosch. Bosch, indiscutablement, la meilleure des batteries.